Ah, c'est une marque, on est trop pour faire rien. Je peux les pour moi. Ça revient chez moi. Ouais, mais on a perdu les gens qui nous suivaient du coup. Les corbeaux vont finalement avoir un rôle à jouer. Mais bon, je l'avais marqué, on revenait tant qu'ils vont sûrement resynchroniser. J'espère. Tout le monde. Allez, revenez les sangs. Ouais, j'ai un truc à vous faire voir. Ah, ça remarche. Ah, ça remarche. Merci Kedo Dream. Vous avez donc dans les défis à faire, donc vous avez ce qui est les patrons. Et les patrons, en fait, il suffit de prendre une photo de l'objet quand il est en blanc comme ça. Ça vous fait gagner des confettis et vous avez le patron. Du coup, est-ce que la caméra de la PS4 remplace les appareils photo de la Vita? J'ai pas la PlayStation Camera, donc... donc je pense, là, tiens, d'ailleurs, le voilà, le soleil que je cherchais tout à l'heure, je pense que oui, il y a toujours le visage du vous, si tu as la PlayStation Camera qui est dans le soleil, mais moi, ne l'ayant pas, je peux pas te répondre. Ouais. Enfin, je parlais aussi, par exemple, pour les... c'est prendre en photo des éléments de décor de ton appart, par exemple, pour le mettre sur un animal ou sur dans le décor. Ça, on peut le faire avec l'application PlayStation. Donc, je vais essayer de vous le faire. Hop. Si ça veut bien fonctionner, bien sûr. Tout à l'heure, ça marchait. Ah bah c'est sûr qu'Aido il est pas au bon moment là. Bah non, entre MGS, etc. Ouais, surtout MGS quoi, parce que même Mad Max à mon avis, je suis pas si sûr qu'il fasse d'aussi bonnes ventes qu'espérées par Warner. C'est pas la bonne période. Alors est-ce que ça va marcher? Ouais! Donc voilà, je mets du JVL partout! Ouais, voilà. C'est une capture de la page d'accueil chez Vidéo Live. D'ailleurs, à toi. C'est une idée toute conne, mais c'est vraiment marrant quoi. Ouais. Mais à toi, j'ai collé le logo. Donc, oui, on peut personnaliser le personnage, hein, bien entendu. Et tiens, une question rapide, est-ce que ça va vite à se transmettre du téléphone au... Oui, quand même assez vite, ouais. Quand même. Ok. Attends, Kito, qu'est-ce qu'il dit ? Ouais. Alors, ce que je vous disais pour les cadeaux bleus, c'est qu'il va falloir faire un petit truc donc pour réussir à les avoir. Donc les corbeaux essayent de s'emparer de ces rongeurs, il faut que je les rassemble. Donc ils sont dans le coin et il faut que je les mette dans l'enclos. Nous allons enfin savoir de quoi ces corbeaux faits main sont. Et là, c'est la suite de l'histoire. Au voleur. Voyons où tout ça va nous mener. Un autre truc, mais à mon avis, c'est pas possible parce qu'il me semble que le micro de la DS4, c'est juste une sortie. Sur Vita, en fait, on avait un micro de la Vita qui permet de parler, par exemple, dans une partie comme sur PS4. Et on pouvait s'en servir pour en gueulant, pour effrayer les ennemis. Du coup, ça a été enlevé aussi. Non, il y a un moment où tu vas devoir utiliser ta voix. D'accord, donc c'est quand même possible. Avec, oui, c'est quand même possible. D'accord. Donc ça enregistre ta voix et ça effraie les ennemis, on va dire. Donc le rongeur, pour ceux qui n'étaient pas là au début, reviens. Je peux l'envoyer dans l'écran. Et après, je le lance. Donc je peux faire ça avec n'importe quoi. Hein. Même les scraps. Ouais,
Ouais, c'est sûr que les deux, c'est niveau fraîcheur, y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Par rapport à Mad Max, bon. Après, parce que j'ai vu à Gamescom, entre les deux, tant qu'à faire. Et il est pas excessivement cher, hein, il est au même prix que MGS. Ok, ouais, 49. Ouais. Et bon, c'est ça reste un portage. Hein. Ouais, mais au moins ils ont fait l'effort de changer les mécaniques de gameplay, d'apporter des zones inédites. Donc c'est pas, enfin, il y a quand même du boulot derrière. Hein. Oui. Pas... D'ailleurs, il y a une autre fonctionnalité dont j'ai pas parlé dans les nouveautés, c'est le vent. Si vous touchez le palais tactile, vous déclenchez des bourrasques. Donc il y a la lumière, il y a la lumière, il y a le vent, il y a le fait de recevoir les choses dans l'écran et de les renvoyer. On peut même piloter un avion en papier, mais la lumière, c'est avec la main devant le capteur, ça ? Non, c'est avec les gâchettes tout simplement. D'accord. Donc c'est parti pour la suite de l'aventure. Et on peut rouler, hein. Ça c'était aussi déjà présent sur Vita. Donc le corbeau est parti par là. Vaste que sur Vita, ou... Ça fait longtemps que j'ai pas joué sur Vita, donc. Je dirais que c'est sensiblement les mêmes quand même. Ouais. Bon, après, de toute façon, c'est pas un jeu où vous allez chercher spécialement la technique, c'est surtout les directions artistiques qui sont incroyables. Oui. Ouais, un peu franc, quoi. Non, par contre, le jeu, donc, comme tu dis, Kedrin ne perd pas en qualité. Hein, c'est vraiment particulier, de toute façon c'est comme certaines productions actuelles. Hein. Puisque ça reste atypique. Mais il y a quelques frises sur cette version PS4. Et il y a des problèmes de caméra. Ça c'était déjà présent sur Vita. Et c'est toujours présent. Les frises c'est un peu plus gênant quand même. C'est un peu plus gênant. Non, c'est quoi, c'est des micro-frises hein. Ah. Oui, c'est quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant, quoi. Si tu le remarques. Alors du coup, Kaido demande... Ce que ça raconte, le jeu. Alors le jeu... Donc tu incarnes un messager qui doit porter une lettre au soleil. Le soleil, c'est toi. Et puis voilà. Sans spoiler, c'est un peu difficile, donc. Vous pouvez admirer ma belle couronne que j'ai fait pour le roi écureuil. Donc oui. Oui, c'est vraiment mignon. C'est un jeu familial, accessible à tous. Les enfants peuvent y jouer. Il n'y a pas de challenge particulier. Comme ça, les corbeaux ont maintenant un rôle à jouer. Donc c'est vraiment un petit jeu, quoi, un moyen jeu, on va dire, qui est sympathique, tout ça. Si vous l'avez pas fait sur Vita, c'est vraiment à conseiller. Donc là, c'est quand j'acquiers le pouvoir du vent, normalement, des rafales de vent. Sauf que quand vous recommencez un niveau, tout ce que vous avez déjà appris, vous le gardez. Donc c'est pour ça que je peux par exemple faire je peux rouler parce que je l'ai appris plus tard. Ça c'était mon nuage d'hier. Un style papier comme ça, non, mais on a eu Kirby au fil de l'aventure qui faisait la couture et on a eu Yoshi Hollywood il n'y a pas longtemps qui faisait de la laine. Et il y a Mario Paper aussi. Voilà un beau nuage. J'ai fabriqué des beaux nuages. Hop, dans l'enveloppe. Ouais, voilà, c'est un des
fonctionnalité du jeu. Du jeu. Ouais. En fait, vous dessinez votre une femme, par exemple. Et là, elle apparaît dans les herbes. La version de test, je me rappelle d'un passage, en fait, où vous pouviez dessiner, je sais pas, par exemple, un chat. Et il apparaissait dans les airs, et il y avait plein de chats qui volaient dans les airs. Et c'était vraiment trop fort. Jouer 1711, non, le jeu il coûte pas 20 euros. Il en coûte 49 pour l'instant. Mais il le vaut amplement. Si vous l'avez pas fait, franchement. Ouais, sincèrement, c'est vraiment un jeu très difficile. Difficile à platiner, hein. Ça va surtout être les collectibles. Donc le vent permet vraiment plein de choses. Ouais, de ce que j'avais testé, moi ça te permet aussi de faire monter des plateformes ou de le faire descendre. Ouais. Ou à l'inverse, quoi. Oui. Voilà, du coup on voit sur les images. Le décalage. Salut Aurel. Salut Aurel. Salut Aurel. Ouais, donc du coup à chaque fois on voit que Cycaps appuie sur le. Enfin frotte le pavé tactile, oui. Soit à gauche, soit à droite pour abaisser, baisser la plateforme. Donc là, c'est les méchants Scrap. Non, non, c'est vraiment pas une arnaque qui est de Dream. Hein. C'est Media Molecule. Hein. En attendant Dreams, si on est fan de leur jeu. Bah quoi, moi, je suis pas une très très grand fan de Little Big Planet. Et pourtant, Tiraway, j'adore. Oui, Aurel, le jeu, je le trouve bien, mais j'ai déjà platiné sur Vita. Donc je suis peut-être pas la plus objective. Moi non plus, je serais pas objectif, c'est une pépite pour moi. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, à l'époque, sur Play 3 Live, c'était encore Play 3 Live, Breaker, le rédacteur qui l'avait testé, lui avait mis 19 et un incontournable. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même, ça me choque pas plus que ça. Non, non. Ah, ouais, oui, moi aussi. Donc quand les scraps sautent, en fait, je peux avec le vent les faire tomber directement. Essayez de pas tomber dans le vide. Salut Dig. Dig G. Oui, c'est le même scénario. Les niveaux sont pour beaucoup semblables. C'est les mêmes collectifs, tout ça. Mais il y a quand même des nouveautés et ils ont adapté les mécaniques de gameplay à la DS4. Ouais, et puis du coup, t'as des niveaux aussi vraiment inédits. Bah, comme vous le voyez dans le trailer de lancement qu'on a annoncé avant hier soir, si mes souvenirs sont bons. Ou hier soir, peut-être, je sais plus. On peut voir des séquences inédites. Là où on vole sur un avion en papier, ouais. Ah ouais. Ouais, voilà, ça c'est de mémoire, c'était pas dans la version Vita. Donc, mes souvenirs me font défaut. Non, mais moi non plus, je n'ai pas le souvenir. Je me suis posé la question tout à l'heure et. J'ai fait. Oui, le ressenti avant tout. Kaito, tu as raison. Je suis parti, je sais pas où en fait.
C'est le stress, ça, c'est le stress. Non, il n'y a pas de mode multijoueur, DJ Duk. En même temps, il n'y aurait pas grand intérêt à avoir un multijoueur. Non, non, non. Autant dans Little Big Planet, c'était, ça pouvait être marrant et tout. Mais puis, c'était utile, donc là, je vois pas trop comment pour intégrer deux joueurs, quoi, par exemple. Non, pas du tout. Okay. Ah bah voilà, je suis tombé dans le vide. Ça faisait longtemps. Ouais, donc là, le vent, il change la manière dont est miné. Non joué 1711, c'est pas un jeu pour filles. Les filles peuvent y jouer, oui, mais bon. On peut jouer à n'importe quel jeu. Tout à fait. Le petit comme pour le grand. En attendant Dreams de mon dernier lecture, ça vous fera patienter quoi. Ah oui, vraiment. D'ailleurs, on devrait, après ça même pour de vrai, c'est sûr. Enfin, c'est fort le top dans Paris Games Week, avoir des nouvelles de Dreams, parce que du coup, il y a mes dernier lecture qui s'ouvrent à la Paris Games Week, donc voilà. Puis notre ami Dick G, le Twitcher ce matin. Tira ouais. Maintenant je vais à se faire en cette fin d'année, on va plus mettre les pieds dehors. Ouais. C'est vrai. C'est ça, c'est dingue. C'est sûr que c'est un énorme hiver là. Bloqué par les neiges, là, il y a de quoi faire. Alors, DJ, ouais. On est... Donc, ouais, il y a moi. Il y a Cicaps, LSK. Et notre dino, Sabosor. Ouais. Ouais, ouais, j'ai... C'est son nouveau pseudo, le dino. Hein. El Dino. Le dino ouais. De mafia. Non mais c'est ma connexion, je cherche pas. J'ai pas une connexion extraordinaire non plus. Hélas. On entend dans la fibre. Ah. Le petit carré là où. Donc il y a des carrés. Les carrés. Loulou. Il y a les. Vous voyez des bouts de papier de petits journaux. T'appuies dessus et sur Vita, ouais, c'était sur le touchpad arrière et ça fait sauter, du coup là c'est pareil. J'ai pas écouté LSK parce qu'on était avec Monsieur Bean là. Où il y avait du papier journal. Sur Vita, quand tu tapais sur le touchpad arrière, ça permettait de faire sauter ton personnage. Il y a le même type. Le truc où ça a été enlevé aussi. Oui, le tambour, la peau de tambour. Ouais, voilà, non. Ouais. Oui, oui, oui. Bah tout à l'heure, j'ai fait voir la peau de tambour. Ah d'accord, bah, j'ai. Oui, bah, j'ai fait voir vite fait en fait. Ah, on a raté un. Oui, tu as raté, Monsieur Bean. C'est sympa. C'était du même niveau que sur le stream de Metal Gear 5. Bon, moi, la copine, elle va avoir le jeu. J'y arrive aussi. J'ai battu la raison du moment que tu y joues. Et ouais.
Bon, du coup, j'ai pas suivi ce que je faisais, donc je sais pas ce que je vais faire. Pas l'air d'être faux. J'ai pas demandé de l'aide. DJ! Parce que là. Non, je sais plus ce que je vais faire du coup. Nous aider, cher membre. Ouais, voilà, je suis bloqué. Un jeu aussi simple que ça, donc je demande de l'aide. Non? Ça marche pas? Non. Parce que là, ça me dit rien. Non, et je. C'est ça, je tweet, je parle, je discute et je regarde pas. Bah, du coup, retourne en arrière. Ouais, bah c'est dangereux de retourner en arrière. Hein. Non, non, l'étoile, ça sert à quoi? C'est normalement, c'est l'étoile, c'est quand tu. C'est ton checkpoint en fait. Ah, d'accord. Tu sais, par exemple, là, tu fais réessayer et réessayer à partir du dernier point de contrôle. Donc hop. Ça, ça a pas l'air d'être là. De la fonction gyroscopique. Je peux essayer sinon de vous faire voir ce que dont je parlais tout à l'heure, la fonction vocale. Donc, je peux changer de niveau et essayer de vous faire voir. C'est pas très loin. On va faire ça. Pour s'amuser à deux, ouais quoi, il y en a un qui dessine, qui envoie et l'autre l'autre joue. Donc LSK, c'est ça la peau de tambour. Alors du coup je suis encore sur l'écran de chargement. Ah. Là, tu verras après. Le fameux décalage Twitch. Oui voilà, c'est ça. Hein. Oui, ça, ça, ils l'ont gardé. Ouais, les temps de jeu sont sympas, ouais. La fonction gyroscopique de la DS4, quoi. On sent, parce qu'ils sont, ils sont vraiment un peu longs, donc... Donc ouais, les cadeaux bleus, c'est quand il y a un petit truc à faire. On rappelle. Ah d'accord. Donc là, on va activer donc la compétence de lancer que j'ai essayé de vous faire voir tout à l'heure. On va prendre des glands quand même, on va pas prendre les petits castors. Donc il suffit de ramener la DS4 vers soi. Et hop. Donc on part le personnage et on vise la cible. En appuyant sur le, en faisant un geste du bas vers le haut sur le petit pavé tactile. C'est par les mêmes créateurs, Ouvrel, justement. C'est Media Molecule. Pas pour le 3, par contre. Ah, j'avais pas vu le 3, en fait. Ouais. J'avais pas vu le 3. J'ai pas su. De planète vite part, ils sont bons et apparemment le 3 est pas si bon que ça, alors que l'épisode 8 est quand même franchement cool. Pourtant, pas de média molécule, mais c'est pas bon. Alors, Tiraway, c'est un jeu qui est simple hein, quand même, il n'y a pas de grande difficulté, hein, mis à part si vous faites pas attention à ce que vous faites, comme moi, mais il y a quand même des pièges donc. Ceci est voulu. Si vous faites pas attention au level design, hein, vous faites comme tout à l'heure. Hop, vous tirez sur la cible. Et je tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit canard en haut avec une cible. Et c'est d'abord celui-là qu'il faut taper. Donc c'est pas une grosse difficulté. Mais faut quand même observer le level design.
Mitsubishi Pan Vita, c'est Tarsier Studios qui travaille aussi, enfin qui en travaille aussi sur Mitsubishi Pan 3. Mais c'est pas sur le digital. Ouais. Alors là, c'est la tête de citrouille que j'ai faite tout à l'heure. Elle fait peur. Hein. Je vais vous refaire voir l'atelier de déco, bien sûr. Donc l'atelier déco, donc c'est quand même vraiment sur Vita. Hein. Donc vous avez le truc de dessin. Vous choisissez votre couleur. Et c'est parti. Vous pouvez aussi découper avec le scalpel. C'est vous découpez avec le stick pour diriger. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Mais bon. Ça reste quand même sympa à faire. Je sais pas. Du coup, vous pouvez dessiner vraiment n'importe quoi, même des choses. disons nous, pas très. Qui veulent pas très haute. Bon, je pense que ceux qui ont fait la version Vita ont dû y penser, et puis voilà. Voilà, c'est très moche. Donc voilà ma nouvelle tête d'épouvantail. Le problème, enfin, entre guillemets, des jeux Media Molecule, c'est que leurs outils de création sont absolument incroyables et ultra riches. Par contre, si t'as pas l'esprit, l'esprit artistique, c'est un peu compliqué, quoi. Exactement. Donc là, on prend l'élan et hop, on traverse la peau de tambour. Alors là, impossible de traverser, hein, parce qu'il y a... Les boules de papier, c'est des choux-fleurs qui cassent le pont. Mais elles sont sur une peau de tambour, donc il suffit de les faire sauter et le pont se reconstruit. Bien sûr, si on arrête, comme je l'ai fait, voilà. Très personnalisable, pas forcément, mais quoi. Personnalisable quand même, oui, puisque tout ce qui est interaction, là, la tête de la citrouille. Oui, les ailes des papillons. Tu peux personnaliser le sol. Ouais, tu peux personnaliser le sol. Donc, ouais, en appuyant sur R3, en parlant du personnage, on peut donc le personnaliser. Donc, moi, j'ai mis le logo de JBL. Alors, ça, c'est censé représenter un trophée. C'est pour un trophée, il fallait faire une icône de trophée, donc. En fait, c'est pas différence avec les têtes Big Planet, pardon. C'est que vous pouvez pas créer le niveau. Donc, voilà. Après, vous pouvez acheter avec vos confettis hein, différentes choses. Donc là, les yeux, la bouche, le nez, etc. Et vous pouvez en créer d'autres hein, avec l'atelier découpage. Donc l'atelier. Dont vous avez vu pour la peau de citrouille, pour la tête de citrouille. Donc hop, je mets un petit pansement, on va dire. Ouais, Digi. ouais, rien. Hey, on change pas, hein. On n'allait pas faire un pub pour un autre site. Hein. C'est le dino qui a eu cette idée. Donc on prend un castor, oh, hop. C'est notre site Aurel, c'est jeux vidéo live. Voilà, quoi, sur moi il est connu. Être en live. Oui, Kelly Dodrine, je dessine très bien, tu as vu. Mais il y a un trophée où il faut que tu dessines un trophée. Je crois d'ailleurs que je ne l'ai pas, ce trophée. La console a pas du jus remarqué. Bah ouais, hein. J'aurais pu mettre les trois lives, puisque c'est notre ancien nom, mais bon. Je suis assez la remarque à Mose. Donc oui, la lumière, voilà, ça va hypnotiser les scraps. Et ils vont vous suivre partout.
Donc, par exemple, ils vont là. Hop, ah, moi aussi, je suis tombé. Je pourrais plus me moquer des boulettes de Marcus. Oh, bah si, hein, on aurait pu, hein. Je pourrais plus me moquer des boulet time. Faut mettre les sauts de pompe, hein. Donc ça, c'est les graffitis. Vous avez vu, je suis trop forte. J'écris en même temps que je joue, je parle. Ah, ça, c'est le roi des écureuils avec la belle couronne que je lui avais faite. Tu baissais. Non, mais oh. Vous pouvez caresser les animaux que vous avez en effleurant le tactile. Donc, il y a un trou. Et hop, on y va! Mais le level design est vraiment sympa, hein. Comme vous pouvez le constater. Hop. Ah, il y a une on ne mélange pas le torse. Je suis ça. On prend un peu le temps. Il aurait été là, il aurait commenté la phrase de Titché là. Jamais été par là, alors on va voir ce que ça donne. Alors du coup c'est pas si inédite, mais bon, justement il y a le retard du ah pouce. D'accord. Ouais. Je suis sur la séquence où tu tires sur la cible. Ah, j'ai oublié d'appuyer. Je veux tirer, en fait non, c'est pas ce qu'il faut faire. Ah bah si, j'y étais allé. Donc là, c'est quand vous découvrez que vous pouvez faire une roulade. Et ouais. Hop. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir envoyer un objet genre dans la manette et puis et de le relancer sur l'écran. Ouais, totalement. Ça a l'air mieux de ce qu'il proposait sur Vita, quoi. Ouais. Alors, le truc original, et puis. Et revoilà les méchants scraps. Cette fois-ci, c'est ceux avec des GSAF. C'est possible qu'il y ait de Dream. D'ailleurs, je sais pas si celui sur Vita c'est très très si bien rendu que ça, quoi. J'ai pas les chiffres. Je sais pas si c'est si bien vendu, sincèrement. Voilà, pour la console, ça a peut-être dû faire. Bonne soirée Aurel et merci d'être passé. Ouais, bonne soirée. Merci. Alors le problème c'est que c'est les charts, donc bon, beaucoup gueule dessus. Maintenant que le jeu est sorti il y a 2 ans, j'espère qu'ils ont mis à jour leur base de données, mais sinon, ça se serait rendu à hauteur de...
Oui. Mais ouais, non, je sais pas du tout à combien. Ah! Je suis passée toute seule tout à l'heure. C'est pas vrai. Un truc tout simple, j'y arrive pas. Et bah, à hauteur de 600 000 quand même, apparemment. Ouais. C'est quand même pas négligeable. Ouais, mais je pensais qu'il avait quand même fait un peu plus. Alors, si j'arrive, on peut hypnotiser avec la lumière les scraps à échasse et ils tirent sur à votre place, hein. Ils tirent sur les autres ennemis. Up. Bah, tant mieux s'ils font plus de trucs pour celui-là en espérant que ça se ressemble dans la vente. Je suis pas vraiment certaine. Sur les Call of Duty, etc. Mais si vraiment achète pas l'art, le jeu comme ça, à part original et tout, faut s'en prendre qu'à vous, malheureusement. Pas qu'aux joueurs qui tiennent ce discours-là, quoi. Il n'y a pas tout le monde dans la même panier, hein, mais... Il faut savoir essayer le plus de choses possible et pas rester bloqué sur un style ou juste parce que c'est un triple A, voilà. Encore des scraps. On peut mourir sans se toucher plusieurs fois. Qui dit moi je me lasse un peu des triple A, des jeux comme ça, ça fait du bien. Et bon, après faut dire qu'ils sont en période de MGS et de DLC Destiny, pas facile de lui faire une base battue maintenant. C'est vrai. Donc là, encore un peu d'inventivité. Hein. Faut baisser le panier pour ouvrir la porte. C'est que c'est délicat aussi de reporter après parce que après t'as les gros mastodontes annuels FIFA, Call of, Star Wars cette année, donc c'est difficile quoi. Oui, faut que même un jeu comme celui-ci, ça se fait souvent discret entre les deux titans. Ah bah c'est sûr que... Ouais mais même sur Vita, il me semble pas qu'il avait fait... qu'il y avait eu beaucoup de pubs ou pas. Si. Bah écoute, je sais pas. Moi j'avais découvert parce qu'on me l'avait offert. Et j'avais vu que Breaker lui avait mis 19 mais... Ouais.
on rappelle mon combat, Fallout 4, Tomb Raider, sort un jour, après tout, à quelque chose près. Oui, je pense que c'est même un sujet. Et vendredi, il y a Project Mirai qui sort. Si vous êtes fan de Miku, voilà. Donc voilà, on me dit que c'est bien, j'ai un microphone de connecté, donc je vais pouvoir m'en servir. Donc voilà, l'affreux épouvantail. Bah, tu sens que le budget est pas le même aussi. Ouais, bah, c'est sûr, mais bon, après, ils sont peut-être frileux aussi de faire de grosses campagnes de pub sur de tels jeux, alors qu'il y a un public qui veut même pas entendre parler quand c'est... Donc il, joueurs, il est très effrayant, hein. Oui. Ah, je vais faire des dents. DJ, non, j'ai le test est déjà en ligne d'ailleurs de Project Diva. Donc regardez si ça ressemble à un trophée. Hein, bon, d'accord. C'est Cyclops qui va te crier. C'est lui qui stream. Et ouais. Là, j'ai mis des un JVL. Moi, contente. Je m'excuse. Oui, je vais enregistrer mon propre enregistrement. C'est parti. Quoi? Hein, tu fais peur, hein, tu sais. Ça veut... Mais ça veut pas. Non, ça veut pas. Plus fort. Ouais, non, plus fort, ouais. Je pense que c'est par rapport à la partie, je pense. En plus, il veut pas. Mais tu vas à vouloir, oui. Non mais je pense que c'est par rapport à la partie. Attends, on parle pas, on parle pas et puis tu réessayes toute seule. Vas-y. Non bah non bah tant pis. Là mon âme il est écroulé de rire. Non, c'est bizarre que ça marche pas quand même. Bah mais je pense que c'est par rapport à la partie. Ouais bah mon Grao il était mieux. Et oui Kido Dream, un grand moment. Je pense qu'on s'est tous sentis seuls quoi. Ouais. Le pire c'est... c'est s'il y a des gens chez toi qui peuvent aller le tâche par exemple quand t'entends gueuler quoi. Ouais ouais. Ouais, y a les voisins qui vont venir sonner là. Il y a déjà mon homme qui est mort de rire, donc bon. Voilà. Bon bah tant pis, je voulais vous faire voir mon beau rugissement, mais ça n'a pas marché. C'est le genre de feature qui me donne envie de faire le jeu. Ouais, ouais, complètement. Ah, c'est vraiment, enfin, les idées de trouver de gameplay sont juste géniales, quoi. C'est, ouais. Et dire que Moz a raté, c'est un mot. Ouais. Bah, oui. Il reverra en replay. Il n'y aura pas de replay. J'ai effacé cette vidéo. Mais non. Non, attends, on va s'ébrouiller pour la choper vite fait. Non. Je l'effacerai. L'émission de l'année prochaine, la spéciale. C'est Faïla en fait.
Quand vous débloquez la possibilité, ça sert à faire un avion. Sauf que... Ah bah si, c'est bon, je l'ai débloqué tout à l'heure. Donc voilà l'avion. Bien sûr, c'est mieux quand vous êtes dessus. Hein. Quand ça fonctionne. Donc ça aussi c'est une des nouveautés du jeu, en tout cas moi je m'en souviens pas sur Vita. Non, non, je pense que c'est... On est à 99% sûr que c'est Vita. Ah, j'essaye de faire une photo. Et du coup, je suis planté. Bien, on a toi. Et du coup, il y a des trucs spécifiques à faire dans les airs ou c'est juste pour comme ça de se balader? Je sais pas, j'ai pas encore avancé plus. Ouais. Je pense pas. Normalement, c'est pour un trophée, je sais que tu dois faire un selfie, donc je crois. Donc c'est pour ça que j'ai essayé, mais pas marché. Et mais non. Ah là là, ça vaut tellement mieux qu'un Max. Là, c'est deux styles complètement différents. Là. Ah. Si vous êtes trop loin, la photo, ça ne marche pas. Normalement, ça doit être mon crao. C'était pas mieux de drôler des trucs Non, non, bizarres. non, c'est si t'as pas de micro, il enregistre un son lui-même, quoi. Donc, attends, je vais aller voir le cadeau bleu. Donc, faut que je décore les dents. Donc, hop, je branche l'application. Et je vais lui remettre mon JVL de tout à l'heure, avec le test de Dishonored Definitive Edition. J'espère que ça va marcher. Qui n'est Et pas un voilà. portage de la honte pour ceux qui n'ont pas eu le test. Le colle plein de fois. Et voilà, je suis contente. Donc, du coup, je débloque le cadeau bleu. Quand vous voulez. Ah ouais, dicter, ah ouais, quoi. Bah après, au moins, il y en a pour tous les goûts à la rentrée, donc c'est quand même cool, quoi. C'est quand même cool. Bon, je vais pas finir le niveau parce que ça va vous spoiler. Donc, dis-toi qui est en train de jouer à Tiraway, t'en penses quoi? Ah, Until Dawn. Je sais plus combien on lui a mis. Until Dawn.
faudrait dire ça parce que je suis pas sûr, je vais dire une carrière. Mais sinon, ouais, carrément, c'est une très très bonne surprise. Ça respecte vachement les codes des Teen Movie Slasher et ça le fait super bien. Les jumpscares sont vachement bien placés. Et si vous avez la caméra, comme on vous l'a dit dans une news, il y a moyen de se faire ma gueule parce que ça vous filme le moment où il y a le jumpscare. Voilà, du coup, en regardant les vidéos, après, il y a moyen d'avoir pas mal d'un. Mais ça filme pas dans la nuit, donc attention. Il y aura juste la lumière de votre DS4 à la limite. Quand même. Donc, ça, c'est la colline JB. Il y a mon homme qui fait sa pub, acheté Air Force Defense. C'est le truc avec des fourmis géantes. Ouais, c'est ça. C'est encore un truc encore plus spécial que tu as pour le coup là. Ouais. Moi je le touche je sais pas. Vraiment le truc un peu barré au Jap quoi. Là c'est. Après c'est peut-être pas rond, mais. Vraiment, si si ouais non c'est fun, tu détruis des insectes et tout ça et tout. Mais... Donc la colline OJB, c'était déjà un niveau qui existait sur PS Vita. Vous allez avoir besoin de toutes vos astuces pour grimper à ce sommet enneigé et remettre ce message. Exact, et c'est ce passage-là en fait où il te demande de créer des formes pour que ça vole dans les airs. Donc, je pense que c'est pareil dans la version PS4. Non, je me souviens pas. Non, je me souviens pas avoir créé quoi que ce soit à part les flocons de neige ce que je l'ai fait tout à l'heure. Quoi, je fais ce matin. Sur PS4, hein. Ouais, j'ai fait. Ouais, voilà. Enfin, quand je dis flocons de neige, parce que. Enfin, quand je dis. Faire ce que tu veux, parce que tu peux créer ce que tu veux. Tu peux oui, créer vraiment des flocons de neige. Donc, hop. Ah donc Didi nous donne son avis sur le jeu hein. Surprise très bien, je vais voir ce que ça va tomber si il y a des trucs non dévoilés. Oui, j'ai décoré de JVL un peu partout. Moi, ils m'ont dit qu'il fallait un signe de rassemblement. J'ai mis le logo JVL. Ah, c'est très longtemps que je partage le film qui se situe sans vraiment m'intéresser. Je sais que je vois. Ouais, oui, oui. Ouais, non, ça tient. On ne pourra pas appuyer au scandale. On va vraiment essayer de travailler le truc quand même. De toute façon, c'est aussi positif parce que ça a l'air trop. Ça s'entraîne pour. Tiens, je vais tuer un trap avec un écureuil. C'est quand même bien quoi. Ça transforme une bonne fonction de quoi. Oui, les thèmes musicaux sont très très bien choisis.
priori. Ouais, oui, oui. Ouais, non, des fois tu te plantes dans le décor et tu tombes. Déjà, j'ai pas besoin de ça pour tomber, mais. Ouais, tu vois, je prends la caméra sur la version Vitime, c'est possible. Si, sur Vita, il me semble qu'il y en avait quelques-uns aussi. Ouais. Ouais. Je peux pas te le confirmer, ça fait 2 ans quand même que j'y jouais. Bah ouais, c'est pour ça. Le problème du jeu, c'est que quand tu l'as platiné, je sais pas vraiment si tu y reviens. Spécialement genre de jeu, ou alors quelques années après. Ouais, ouais, voilà quoi. Et encore, tu fasses ta partie et tu la refais. Oui, voilà. Non, j'ai pas envie de te poser, non. Je prendrai plus tard. Je suis méchante. Ah, ouais, au niveau de la musique, ils ont changé de chanson, ou c'est toujours le même Non, je pense que c'est le même. Mais bon, après, non, il me semble bien que c'est le même. Et bon, ça fait 2 ans. Ah, je vais regarder ailleurs. La fonction roulade, c'est pratique parce que sans ça, vous n'avez pas d'armes contre les scraps à part le décor, hein, tout ce qui est rocher, etc. Tandis que quand vous acquérez la boule, au moins vous pouvez les shooter. Voilà. Il y en a encore. Je partage un peu le même travail, quoi, la voie du travail, moi je suis pas un blasé du jeu, du jeu. C'est le même travail, c'est ça, c'est le même travail, pas du temps. Et le temps, c'est de l'art, non? Ouais, c'est ouais, non, c'est le même du travail, donc après c'est pas non plus pas évident, quoi. Une photo. Une phase d'exploration. Bah en fait, comme je disais durant le Twitch, te faire voir, il y a tout un tas d'objets, de choses à faire dans chaque niveau. Donc, faut récupérer tous les confettis, abattre tous les scraps. Récupérer tous les cadeaux, qu'ils soient rouges ou bleus, tous les patrons, et donc on peut dire que ouais, il y a un petit peu quand même une phase d'exploration, mais elle est vraiment légère, quoi. C'est pas un monde ouvert où on va pouvoir aller chercher mille et un secrets, quoi. Donc là, avec le vent. Je peux faire le chemin. Voilà. Même du confetti. Ouais, soit je vais changer de niveau, si vous voulez. Merci DJ Doug. Et à plus tard. Soit quoi, parce que là, on s'approche de la fin du niveau, je pense, donc peut-être pas vous spoiler ce qui se passe par la suite. Donc je sais pas si vous voulez voir un autre niveau ou quoi. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas, surtout, ou éventuellement ouais. D'autres questions sur, je sais pas. Sur JBL, sur. Je sais pas. J'ai peut-être pas avancé pour vous spoiler. Je peux retourner en arrière. Comme vous voulez. Moi j'attends. Si, là si je monte.
Non, bah on est à un niveau ancien, peut-être pour finir entre nous. Ouais. Un niveau 2, je vais être. Dynasty Legend, oui, vaut ses 49€ si tu ne l'as pas déjà fait, même si tu l'as déjà fait d'ailleurs. Pour moi, il est beau. Après, j'ai adoré le jeu, donc sur Vita, je suis pas très objective. Mais rappelons donc pour la deuxième fois que le jeu sur Vita avait obtenu de la part de notre rédacteur Breaker Fou 19 et le label Incontournable. Donc là, c'est un portage, mais ils ont travaillé dessus quand même. Ils ont adapté les mécaniques de gameplay à la DS4. Et c'est un jeu qui est très bien fait. Donc. C'est un petit vent de... Mais sinon, faut acheter Project Mirai sur 3DS. Voilà, ça c'est fait. oui, DXG, il y a une démo sur le store et elle fait 7Go, je crois, avoir lu ça de la part de Slider. Ah oui, quand même. Il me semble. Elle est longue du coup la démo Je sais pas, moi je l'ai pas fait. Je pense que je m'embêterai pas à faire la démo, je ferai directement le jeu. Mais... Moi je l'ai pas fait puisque Amazon a eu la gentillesse de m'envoyer le jeu lundi et je l'ai reçu hier. Ah tiens, surtout à Project Diva. C'est différent. Ah bah, on est fan ou on l'est pas, hein. Donc ça, c'était le passage où je savais plus quoi faire tout à l'heure, et en fait, bah, je me rends compte que je ne sais toujours pas quoi faire. C'est dingue, ça. J'ai fait le jeu, pourtant, je l'ai fait. Voilà. C'est dingue. DXG, je sais plus quoi faire. Cela, je retourne au point de départ. C'est dingue. Être bloqué dans Tira, ouais. Ah voilà, j'avais pas débloqué le pont tout à l'heure. Stupide. De rien, Dynasty Legend, et bonne soirée à toi aussi. N'hésite pas à revenir pour un prochain Twitch. D'ailleurs, je sais pas quel sera notre prochain Twitch. Et donc c'est là où vous découvrez la peau de tambour en fait. Si vous sautez pas encore, vous n'avez pas encore la compétence saut. Donc vous pouvez pas forcément sauter même si c'est un tout petit obstacle. J'arrive à mourir à cet endroit là. Oui, donc ça c'est le roi des écureuils, donc à qui j'ai fait la belle couronne. Et c'est lui qui me donne l'appareil photo. Non, je veux pas prendre d'autres photos de toi.
Et ouais, Kedrim, c'est tout le charme de Media Molecule, hein. Sincèrement. Autant si t'es pas trop très création Little Big Planet, tu peux passer à côté. Autant Tiraway, même si t'es pas toujours pas doué en création, tu peux largement y jouer. Et donc l'écureuil a passé à toi qui Marc. On s'amuse quand même. Le dino, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Toi, tu as commencé Tiraway sur Vita. Je l'avais commencé, mais je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais en réfléchir. Mais de ce que tu avais fait, qu'avais-tu pensé de ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais pensé? Ouais. Non, qu'est-ce que tu avais pensé du jeu par rapport à ce que tu as fait? Si on sait que LS Kaimon on a adoré, toi. Bah pareil, moi j'ai adoré, après bon, je l'ai mis un peu de côté parce qu'il y a tellement de sauts qui sortent. Oui, bah oui, oui. Ça va une période, tu mets les sauts de côté. Ouais. En plus, je l'avais plus quand il était en promo sur le PS Store. Mais c'est vrai que c'est un bon investissement. La version PS4, par exemple, ceux qui l'ont pas, enfin, qui n'ont pas la version Vita, ils peuvent foncer sur la version PS4, hein, quoi qu'il arrive. Surtout s'ils sont pas regardants sur les triple A et compagnie. Rainbow, c'est moi qui joue, je suis moins doué que toi. Hein. J'arrive à me perdre dans Tiraway. Ouais, Kedo Dream, Little Big Planet, c'est assez particulier, c'était pas un créateur en herbe. Je sais pas. Pourtant, j'adore le personnage de Sackboy. Mais. On peut pas parler, tiens, à tous les personnages. Hein. Par exemple, lui, je peux pas lui parler. Et ouais, c'est notre RT. Pour une fois, c'est pas lui qui Twitch et c'est pas lui qui joue. Ça fait bizarre. Ah, oui. Hop. Donc on joue vraiment avec le level design, hein. C'est magique. Oh. Va te faire manger, petit scrap. Allez. C'est pas pour un autre. Ouais, mais t'es plus doué, hein, parce que j'ai réussi à tomber, j'ai réussi à me perdre. J'ai pas l'habitude. Même si ça n'a rien à voir, vous avez fait Challenge of Life et Soldat Inconnu. Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Oui. Oui. De même, c'était très beau. Et pourtant, je porte pas Ubisoft dans mon cœur, à part pour les Rayman 2D qui sont sortis ces dernières années et Soldat Inconnu. C'est vraiment bien foutu. Ouais, non, ils ont fait fort quand même avec Soldat Inconnu. Le sortir l'année du centenaire. Ah, tu vois, Rainbow, qu'est-ce que je te disais? Je fais pas attention, je parle. Voilà. Donc, il y a des archives aussi dans le jeu, vous pouvez lire des photos.
Ah oui, oui, non, non, ils, réussi, quoi. Ils ont vraiment fait fort l'année du centenaire de sortir un tel jeu. Car oui, c'était l'année du centenaire. Moi, je porte seulement 17 pour mon pouvoir dans mon cœur, sans bien connu à même niveau, les autres et un niveau. Oui, bah, de même en fait, parce que j'avais oublié de même le niveau. Et d'ailleurs, Michel Ancel a démontré qu'il pouvait aussi faire un Mario, un level Mario, hein, avec... voilà, je l'ai vu en direct à Japan Expo. C'était vraiment pas mal. Michel Ancel qui travaille sur Wild pour la PS4. En attendant un bien goûté niveau 2 qui n'arrivera peut-être jamais. Peut-être. Après tout, on va bien avoir chez nous 3, le remake d'FF7, les autres joueurs d'hommes, donc on peut avoir bien joué du bon bon. C'est possible maintenant. Ah oui, tiens, j'ai pas montré dans les autres niveaux, mais sur Vita, il y avait la possibilité de marcher sur le mur grâce à de la colle, et ce niveau-là, il est toujours. Hein. Donc pas de soucis. Hop, c'est par là. C'est là. Oui, 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 c'est là, c'est là. C'est. Parce que. Ah. D'accord. Parce que moi, j'ai vu que t'essayais de monter, mais normalement, tu peux. Non, 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 oui, non, 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 je. Ah. Ah, The Last Guardian. Il y a eu le temps que je l'attends, celui-là. Et même si remaster tout ça, etc., je suis pas forcément contre, je suis pas forcément court pour. Hein. Tout le monde achète ce qu'il veut. J'aimerais bien qu'il refasse encore une Timico collection pour la PS4. Ça, je pourrais toucher les deux jeux. Ah, c'est sûr que ceux qui ont pas fait Ico chez les Ecosus, c'est encore une PS4, c'est vraiment. Après, il y a une nouvelle place, mais c'est de gros jeux, il y a quand même à faire. Quoi. Et ouais, ah, puis je les avais fait sur PS2. Je suis vieille, voilà. Ouais, c'est vraiment que sur PS2, et voilà. Le Master, parce que c'est pour le moment. Ouais, je suis vieille, je les ai fait sur PS2. C'est sûr, les remakes, c'est pas la même chose qu'un remaster. Mais ils sont déjà sortis sur PS3, donc... Ils ont fait fort, Sony, à l'E3. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Ça manquait d'un petit Destruction Derby. Je pense que là, ils annonçaient en plus un Destruction Derby. Je pense que je mourrais sur place, quoi. Bisambo. Salut Rainbow. Non, Rainbow Twitch. Rainbow Twitch, même. Ah, puisque c'est. On laisse pas aller jouer à MGS. Hein. Ça sera où tout ça? Par contre, pour ce moment-là, c'est la même musique que sur Vita, ça, j'en suis quasiment sûr. Pour répondre à ta question, LS4 tout à l'heure. Ouais, je vais essayer de mettre ça dans le sens pour le bordel. Ah,
Ah, exact, il est fini. Donc c'est là où on débloque en fait la compétence saut. Qu'est-ce que ce beau bouton croit. On va passer la cinématique. Et te revoilà sur le plancher des masses. Ne t'inquiète pas, tant qu'il nous prend en poche, c'est Square Enix avec Zorgé Occidentaux. Appelons le meilleur de nouveau RPG et la nouvelle annonce de Kingdom Hearts 3. Et ils ont Dragon Quest Heroes qui sort le 16 octobre et qui est génial. On essaiera. Ouais. Et on lui a mis 5 sur 5. On a été dans les locaux de Square Enix y jouer et j'ai franchement adoré. Tu as été dans les locaux d'un éditeur pour jouer ? Scandale. Ouais, Doritos. En plus, ils m'ont donné 2 chocolats. Ah, ah là là, c'est pour ça en fait que. Bah oui, c'est par rapport au Toblerone, voyons. Et oui. Scandale, ce site d'amateur, quand même, qui se laisse avoir par du Toblerone, quand même. Ouais, ouais, ouais. Hein. Pas sérieux, hein. Et ouais. Ouais, voilà. On essaiera de le toucher, mais ça sera pas moi à la manette dans ces cas-là. Ça sera le spécialiste. Mon homme. Ouais, il faut du skill, hein. Il en a. Mais je ne suis pas optimiste non plus. Hein. Comme pour tirer, ouais. Ça c'est la colline au JB où j'étais tout à l'heure. On fait même du manège dans Tira, ouais. Fiu. Séquence aussi, ça, non? Oui. Me semble. C'est juste avant le truc avec les corbeaux là, et la grange. Ah oui, bah à ce niveau-là, je vous l'ai fait voir tout à l'heure, en fait, c'est là où il y a le cochon. Ouais, donc à la Japan Expo, on pouvait gagner un t-shirt avec Dragon Quest Hero si on arrivait à battre, à finir le prologue, quoi, le géant du prologue. Et moi, je n'y suis pas arrivé. Donc voilà. Mais en fait, ouais, on n'avait pas la bonne méthode, donc... On s'est vengé durant la preview. Moi non plus, Keto Dream, je l'ai pas gagné ce t-shirt. Mais en fait, fallait y jouer plusieurs fois, fallait retourner 2-3 fois et t'arrivais forcément à gagner puisque tu comprenais le gameplay. Donc voilà. Et oui, DQ Hero 2, DQH, Dragon Quest Heroes, ça ira plus vite, a déjà été annoncé, mais au Japon uniquement, il me semble, pour le moment. En tout cas. Pour l'histoire du t-shirt, ils avaient fait la même, c'était Tokyo Game Show, je crois, je sais plus quelle année. Pour Bloodborne, ils avaient mis un t-shirt, si t'arrives à battre le premier boss qui est sur le pont. Ouais. Mm. Il y en a qui ont réussi quand même, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a pas tant que ça qui ont réussi à la Japan, parce que comme Kid Dream, ouais, faut pas avoir que ça à faire non plus à la Japan. Hein. Faut faire la queue, même avec un pass press, hein, on fait la queue. Donc ça peut durer des heures d'attente. Sauf si vous y allez au matin, très bien. Et puis voilà quoi. Ou à la fin.
Oui, ou avant l'heure si vous êtes premium. Non, je suis pas complètement. J'aurais demandé s'ils avaient pas un t-shirt, mais non, ils en avaient pas. J'ai même pas pu leur prendre leur statue géante de Tomb Raider. Bah oui, dit que j'ai, hein. Je l'ai refait tout à l'heure, il était bien, hein. Quoi. C'était du niveau des autres, mes autres, de mes créations. Donc. Ouais, surtout cette année, il a fait super chaud. Ils ont saturé les entrées, tout ça, le hall. Je crois qu'ils ont vendu plus de billets que de places disponibles. Le hall 5 a été saturé. Comment qu'on fait? C'est qui? Ok, donc petit problème technique. Si on est en pleine diffusion. On est en pleine diffusion Twitch, donc ok. Hop, je sais pas comment on fait. Ouais. Non. Je en partage, je sais pas. Afficher les joueurs. Non, comment on fait pour le virer? Ouais, mais je sais pas comment on fait pour les sueurs. C'est pas mon ami, alors. Bon, ouais, c'est pas grave, on va arrêter le Twitch. Hein. Donc, petit souci technique. Ah, mais je suis pas sûr qu'ils s'entendent. Je vais l'écrire, attends. J'ai pas trouvé comment de... Allez, c'est... D'accord, Matrix et qui Non mais de toute façon on va arrêter le Twitch, hein, ça fait 1h30, 1h24. Plus le premier Twitch avec les petits problèmes techniques. Donc j'ai plus grand chose à vous faire voir en fait à part l'aventure donc Ah par contre si tu vas sur le nom de la personne, tu fais select, tu peux désactiver le chat audio, donc ça, on l'entend pour un moment. Ouais mais on va arrêter de toute façon. Je pense. Vous avez d'autres questions sur le jeu? Moi non. SK? Non. Les gens sur le chat, vous avez d'autres questions? C'est ça, j'ai déjà fait tout à l'heure. Enfin, sauf si t'as... Si, j'ai relancé la diffusion. Allez, c'est bon. J'ai réussi, Alaska. Voilà. Mais en privé, par contre. Je sais pas.
parle de la partie. Je peux pas. Je peux pas. Non, à la remettre en privé, j'y arrive pas. Bonsoir Alexto71. Oui, oui, il est bien ce jeu. Bon, bah eh bien, coup, il est bien. Contre, malheureusement, Alex arrive sur la fin, du coup. Oui, bah oui, parce que on a déjà montré pas mal de choses, donc. Ouais, donc on va peut-être. Je vais pas la tourner en rond. Voir s'il y a des questions éventuelles. Les corbeaux vont finalement avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Ça commence. Merci Kedo Dream, et merci de toutes tes questions et d'avoir partagé, etc. Merci DJ. On te voit plus assez, toi, sur le forum, hein. Merci à tous de nous avoir suivis. Désolé de ces petits désagréments techniques. Ouais. Donc on vous rappelle, les nouveautés, c'est la lumière. Bon, là on voit pas. Le vent. Et la possibilité d'avoir des projectiles dans la manette, entre autres. Hein. Et aussi l'avion en papier. Il y a une tonne de choses à découvrir sur Tiraway. Donc si vous ne l'avez pas fait sur PS Vita, personnellement, je vous le recommande. Et c'est un bon petit moment à passer en famille, tout seul. C'est un vrai petit vent de fraîcheur. Donc, sur ce, je vous laisse. Ah, il y en a un qui vient de marquer un autre message encore. Oui, tu le laisses. Oui. Tu le laisses, j'ai le doigt sur la tablette. C'est une pépite de chocolat, oui. D'ailleurs, je vais aller en manger. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous, puis merci de nous avoir suivis, et on se retrouve à bientôt sur Jeux Vidéo Live. Au revoir. Salut.